Même là-bas, par mail. Le mail? Attendez. Parce qu'il a dit quand un truc un peu suspect, moi mon portable, ça met du temps. Ça met du temps à venir. Oh, pourtant, je me suis inscrit facilement. Hein. Non. Je me suis inscrit facilement. Hein? Ce qu'on va faire, vous allez aller dans Play Store. Allez dans Play Store, on essaie d'acheter d'abord les cryptos en attendant votre mail. Parce que le mail va arriver. D'aller dans Play Ça Store. arrive toujours. Mais j'ai cherché sur Oui, Play. allez dans Play Store. Et sur Play Vous Store, téléchargez une application pour. C'est quelle application il doit télécharger? Allô? Oui, allô? Vous allez télécharger une application pour qu'on se procure de vos bitcoins. Vous voyez? Mais c'est quelle application je dois télécharger? Quelle Allez dans application? Play Store. Je suis dans Play Store. C'est quelle application? Quoi ça? Mais quand j'ai vu sur Internet, c'était Bitcoins FX 360, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous dites là. Là-bas, on va acheter des bitcoins pour venir maintenant alimenter votre compte. Ah, mon compte. Vous comprenez? Ok. Oui. Parce que le robot fonctionne grâce aux bitcoins. Oui. Ben moi, Vous l'avez téléchargé? je t'ai chargé, mais il faudrait savoir, je vous ai posé une question, vous n'avez pas répondu. Si je dois investir 500 euros, Allez-y. je dois gagner combien? Parce qu'il ne faut pas que je vais pas te charger un truc que je sais qu'il n'y a pas gagné beaucoup. Si je dois investir 500 euros, je gagne combien? Vous voulez enlever vos gains par semaine ou par mois? Ça, c'est d'abord la première question qu'il faut savoir. Parce que vous savez que si peut-être par semaine vous voulez enlever, vous allez gagner près de 1300 à 1500 euros. Ok. Maintenant, si vous laissez pour enlever à la fin du mois, vous et moi, vous convenez que vous savez que lorsque vous laissez votre argent se multiplier, lorsque l'argent est beaucoup, ça se multiplie encore plus, ça devient encore plus intéressant. Les gains sont des, les gains deviennent encore plus intéressants. Celui qui a misé 500 et celui qui a misé 250, il ne peut pas gagner la même chose. Or, maintenant, si je laisse mes 250 ou mes 500, si je laisse mes 500 pendant un mois, ça veut dire qu'au lieu peut-être de gagner 1000 quelque chose, je Mais gagnerais plutôt l'application c'est Elon 4000 Musk. quelque chose. Allô? Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Lui qui a créé là, c'est Elon Musk de Tesla, non? Oui, la société Tesla. C'est la société Tesla qui a créé l'application. Parce que l'intelligence qu'ils ont mis sur le robot, c'est de la technologie qu'ils utilisent pour aller dans l'espace. Et ceci veut dire quoi sur le marché financier? Ça veut parler de la précision. Vous voyez? Ça veut parler de la précision. Oui. Vous avez téléchargé l'application? Non, j'ai pas encore téléchargé, j'ai pas encore téléchargé. Parce que Oui. c'est un peu douteux. Pourquoi je ne reçois pas depuis le mail et vous m'avez envoyé un lien sur WhatsApp, ça vient pas. Parce que moi, je vous ai dit, mon portable, c'est un peu un portable intelligent. Quand les mails sont un peu suspects ou bien les sous sont suspects, hein? C'est quelle marque de téléphone? Infinix 360 Z15. Mais ça va venir, le mail va venir. C'est pas que c'est Mais depuis ça, quelque chose depuis ça, en temps normal, en temps normal. ça peut tarder. Non, mais le mail peut t'aller, mais Vous avez aussi tout à l'heure, si WhatsApp, pourquoi ça vient pas, vous c'est avez ça. aussi tout à l'heure parlé de, vous avez aussi tout à l'heure parlé de problèmes de connexion. Vous Bah, savez bien. oui, mais Donc si vous n'avez pas une connexion disponible, ou peut-être forte, c'est que ça va un peu tarder. Vous utilisez quel type de connexion? Pardon? Moi, c'est Vous free. utilisez quel type de connexion? Free, free, free. 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 Et vous? Et vous, vous avez quelle connexion vous utilisez-vous? Non, ici
que nous, nous utilisons les Wi-Fi. Les Wi-Fi. C'est où ça? C'est où? C'est où? Oui. Je vous ai dit que nous sommes basés en Angleterre. La grande société est basée, la société mère est basée en Angleterre et nous avons des représentations dans toutes les capitales européennes. Ok. Dans ce convoi, je serai riche si j'investis beaucoup. Pour le moment, je ne veux pas te vous excéder 500. Pour le moment. Déposez 500, on active votre compte. Vous regardez une semaine. Je dépose, après, vous allez m'appeler. Je dépose 500. Et puis vous activez mon compte. Achetez les bitcoins. C'est grâce aux bitcoins qu'on active le compte, le robot. En fait, l'activation du compte, c'est quoi? C'est réveiller le robot qui est endormi. Parce que lorsque vous créez le compte, le robot ne peut pas déjà travailler. Maintenant, lorsque vous mettez 500, c'est pour l'activer pour qu'il travaille. Maintenant, après une semaine, vous allez voir bien que ça a produit. Parce que lorsque vous allez mettre 500, on va vous donner 100 euros de bonus de bienvenue. Maintenant, ça va faire 600 sur votre compte. Vous voyez? Maintenant, avec les 600 là, le robot va travailler au bout d'une semaine. Vous-même, vous allez voir. Si vous voulez augmenter, vous augmentez. Si vous ne voulez pas augmenter... Pardon? Si c'est pas quoi? Vous laissez une autre partie. Si vous ne voulez pas, je dis ceci. Si vous mettez 500 au bout d'une semaine, vous voyez, vous allez voir les gains que le robot a produits. Ouais. Maintenant, sur ces gains-là, vous pouvez enlever. Peut-être si ça a produit 1500. Vous pouvez enlever vos 1500, comme vous pouvez décider d'enlever 1000. Vous voyez, et vous laissez encore 500. Comme vous pouvez décider de tout enlever. Mais si et de laisser ça sur votre compte pour un mois. Parce que sur un mois, ça va se multiplier par 4. On est d'accord, non? Ouais. Ouais, donc voilà un peu la logique. Ok. Bien. C'est moi, ils sont en train d'hésiter un peu parce que depuis là, ça vient pas, le mail, ça vient pas, je sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre parce que. Vous ne pas perdre le temps en attendant, parce qu'on a des clients comme ça, ça arrive comme ça parfois. Vous ne pas perdre le temps. Je vous ai demandé de télécharger l'application bitcoin.com. On va vous acheter vos bitcoins. Ça va rester en tout cas sur votre compte, sur la plateforme. Maintenant, quand c'est là-bas, dès que le mail vient, je vous montre comment faire. Maintenant, on retire ce qu'on a acheté, les bitcoins qu'on a achetés. On peut alimenter votre compte avec. Mais la société a été créée quand? Ça a été créé quand, la société? La société, ça fait déjà... Moi, je travaille là-bas, ça fait déjà 6 ans. Oui, je suis là, ça fait déjà 6 ans. Mais sinon, la société, elle a déjà tellement duré. Je ne connais pas la date exacte qu'on a créé la société. Mais parce que moi, quand j'ai vu le lien, quand j'ai vu le lien sur Facebook, oui. j'ai vu que vous avez mis le récit, mais il n'y a pas quelqu'un qui a commenté. Ça n'a pas suscité des réactions. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça m'a pris un peu de douter, quoi. Un truc qui rapporte de l'argent, et puis les gens n'ont pas commenté. Bon, moi, ça m'a pris un peu bizarre, mais quand même, il est souscrit. Tu as vu qu'il est souscrit. Quand il est souscrit, vous m'avez appelé, c'est vrai que c'était vous. Tu as vu? Mais moi, ce qui me. Dites-moi un peu. Vous savez qu'il y a des sociétés. Par exemple, je prends seulement la personne qui est peut-être devant. Quelqu'un comme Elon Musk qui est actionnaire. Est-ce qu'il peut être actionnaire sur une société qui n'est pas crédible? Ouais. Je prends seulement un exemple. Non, si, parce que c'est son nom qui a été mis en avant, Elon Musk. Non, c'est ça qui m'a attiré. Il m'a attiré. Mais quand il a vu le poste. C'est une question que je vous pose. Oui, allô? Oui, j'ai dit c'est une question que je vous pose. Mm-hmm. Est-ce que vous-même, vous pensez que lui, il peut être actionnaire sur une société qui n'est pas crédible? Non, jamais de la vie, jamais. Jamais. Voilà. Donc, ce sont des choses que. C'est quelqu'un qui a un contingent d'avocats. Est-ce que vous avez
télécharger l'application. C'est quel logo? Le logo, c'est quoi? C'est un grand B comme ça, là. Un grand B vert noir. Grand B vert noir. Bitcoin. Bitcoin. Oui. Bitcoin. Oui. Bitcoin.com. Bitcoin.com. Oui. Oh, ok. Ça télécharge, ça télécharge, ça télécharge, ça télécharge. Vous êtes camerounais? D'accord. Allô? Camerounais. Vous êtes camerounais? Non, je ne suis pas camerounais. Vous êtes quoi? Mon père est malien. Hein? Et ma maman, elle est suisse. Donc, moi, je l'ai perdu quand j'avais 13 ans. Votre maman est suisse? Pardon? Votre maman est suisse? Oui, maman est suisse et je les ai perdus, ça fait 13 ans, quand j'avais 13 ans plutôt. Donc, raison pour laquelle je suis allé en France, j'ai fait presque 8 ans là-bas. Ah, vous êtes métisse? Ouais, je suis métissé. Ah, donc vous êtes clair quoi? Française auquel on m'a donné le nom de Dutoit. Quoi ça? Donc, auquel ils m'ont donné le nom de Dutoit. Dutoit, monsieur Dutoit. Monsieur cette Dutoit. Famille m'a beaucoup, oui, cette famille m'a beaucoup aidé. Parce qu'après la mort de ma famille, j'ai été vraiment abandonné puisque je n'ai pas eu la chance d'avoir des frères dans ma famille. Vous avez été fils unique, c'est ça? Vous êtes fils unique? Exactement. Je suis fils unique. Je suis fils unique. Et le papa qui m'a même aidé, qui s'appelait aussi Monsieur Dutoit, lui-même qui m'a aidé, lorsque il a rendu l'âme, sa famille a décidé de me chasser de la maison. Donc, vous savez que quelqu'un qui a une grande famille ne peut pas accepter. Bon, il a accepté vraiment me donner de la place chez lui, mais ses enfants n'ont pas voulu. Raison pour laquelle je me suis retrouvé en Angleterre. En Angleterre. Et avant d'arriver en Angleterre, je tradais déjà pour le compte de la société. Vous êtes anglais? Non, je n'ai pas encore les papiers anglais. Ah, vous avez les papiers français et les papiers suisses. Ah, vous avez les papiers français, papiers suisses. Je n'ai pas les... Vous avez deux nationalités, quoi? J'ai trois nationalités, pour tout dire. Ah bon? Quoi et puis quoi? Je suis malien. Je suis français. Je suis suisse. Ah, c'est cool. C'est cool. Mais vous avez investi. Oui, j'ai vu l'application. J'ai vu l'application. On fait comment maintenant? Je clique dessus, bien il fait maintenant, comment? Cliquez dessus. Il y a cliqué sur l'application. Oui, qu'est-ce que vous voyez? Donc, on m'a dit de mettre. Maintenant, là, c'est. La carte bleue. Très délicat. Ouais, la carte bleue. Vous allez me dire vraiment ce que vous voyez. Et je dois vous indiquer. Je vous dirai quoi faire, ok? Ok. Oui. Quand vous cliquez l'application, a priori, qu'est-ce que vous voyez? Je vois des chiffres. La première page, est-ce que vous voyez Bitcoin? Oui, je vois Bitcoin, puis après en bas, je vois des chiffres. Quel genre de chiffres? Bon, je sais pas, c'est des chiffres un peu bizarres là. Si vous voyez à la première page de couverture, à la page de couverture, je vois Bitcoin. Vous voyez, oui, et après, vous voyez quoi? Des chiffres. Est-ce
qu'on vous a demandé de créer un compte? Oui, c'est-à-dire, il y a vu des chiffres, on a créé un compte. Après, on me parle des choses, de mettre la carte bleue. Non, on va pas vous parler de mettre la carte. On va pas vous demander de mettre la carte bleue maintenant. Ah, c'est vers la fin. C'est vers la fin. C'est une procédure que nous sommes en train de suivre. On ne peut pas vous demander, vous ne pouvez pas télécharger une application. Vous ne pouvez pas entrer dans une boutique. Vous n'avez même pas encore pris une marchandise et on vous demande de payer déjà. Là, c'est faux. Ouais, c'est un peu bizarre, ça. C'est pas normal. C'est un peu bizarre. Peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que moi. Regardez l'application bitcoin.com. Sur la première page, comme vous venez de télécharger, vous allez voir en bas, on va écrire suivant, en bas. Vous allez cliquer sur suivant. Si c'est en anglais, ça va être net. Vous cliquez sur net. Ah, au fait, c'est en anglais. Moi, c'est pas lu anglais. Vous savez pas lire anglais? Non, non. En fait, j'essaie de lire en anglais, mais je sais pas, je connais pas la translation. Non, mettez, si vous voyez next, ça veut dire suivant. Vous appuyez sur suivant. Vous voyez? Net. Next, oui. Vous appuyez sur next, ou peut-être que vous pouvez changer la langue. Je change la langue, où ça? Regardez l'application, sûrement vous allez voir soit le logo du monde pour changer la langue, soit vous allez voir un drapeau américain. Un drapeau américain. Ça va vous aider. Ça peut être le drapeau américain ou le drapeau anglais. Là, vous cliquez, il y aura une multitude de pays, de langues qui vont sortir. Vous allez cliquer pour la France. La connexion est un peu bizarre. Enfin, moi j'ai pas de wifi, c'était wifi, ça allait vite passer, mais comme c'est mon forfait là, donc ça même c'est un peu lent. Mais peut-être c'est ça, puisque je vous ai dit que lorsque nous envoyons des liens, si le mail n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a un problème de connexion. Ah ouais. Mais vous, votre opérateur Wi-Fi là, c'est quel nom? Pardon? Votre opérateur Wi-Fi, c'est quel nom? C'est quel nom votre opérateur Wi-Fi là? C'est quel nom? Mais on n'utilise pas les mêmes en France que en Angleterre. Oui, mais en Angleterre, c'est quel nom? C'est quel nom? Oui. En France, c'est Free. C'est vous, c'est quel nom? Non, moi, je ne connais pas le nom. Je ne dois pas aller jusqu'à ce nom de notre Wi-Fi. Je vous ai dit que je suis. Non, je n'ai pas dit le nom. J'ai pas dit le nom de votre Wi-Fi. Non, j'ai dit le nom de la compagnie mobile, quoi. De la compagnie mobile, je ne connais pas. Aïe. Il y a un département. Toi, tu utilises Wi-Fi, tu connais pas le nom, quoi. Mais je ne dois pas connaître le nom, puisque c'est une entreprise. Oui, non, mais en fait, non. Oui, mais. Oui, mais la. Les techniciens ont la tâche là. Non, monsieur, on a déjà tout nettoyé. Monsieur, m'asseoir dans mon bureau. Non, monsieur, votre histoire, c'est pas clair. Attendez, dites-moi, dans une entreprise. Non, c'est pas clair même. Écoutez-moi, dans une entreprise, vous peut-être en tant que gestionnaire de compte, vous allez aller demander au département technique quel wifi on utilise ici. Ça va vous servir à quoi, monsieur? Dites-moi un peu. Mais c'est pas simple curiosité. Ça vous servir. Ouais, monsieur, c'est ce qu'on va faire. Non, moi, je... Monsieur, ce qu'on va faire. Voilà, ce qu'on va faire, je vous ai écouté. Voilà. C'est juste pour vous dire, nous, on a, les gens sur Internet sont intelligents. Vous savez, on est intelligent parce que les gens, ils ont tous subi d'arnaque. Voilà, moi je fais tout ça, c'est juste pour vous m'amuser avec vous, parce que je sais que vous êtes un arnaqueur. Je sais que vous êtes béninois. Ah, voilà. Ah bon. Vous êtes un arnaqueur. Ah bon. Très bien, vous êtes un arnaqueur, mes filles. Voilà. D'abord, moi, mon mail est sécurisé. J'ai reçu votre premier mail. Votre premier mail, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai effacé, puis je l'ai mis dans Space.
Parce que ces gens de lien là, moi je clique pas dessus. Voilà. Allez travailler. C'est pas la peine de vouloir chercher à arnaquer les gens. Voilà. C'est intelligent, mais pour être arnaqué, pour arnaquer, faut être intelligent, mais ça marche plus. Monsieur. Oui, monsieur. Je vous dis, vous êtes un arnaqueur. Et puis en plus, vous êtes béninois. Non, ce qu'on est africain. Votre accent, c'est un accent béninois. Vous me dites non que vous êtes métisse. Tu es métisse comment? Écoutez-moi. Et t'écoutes comment? Écoutez-moi. Regardez. Martina, tu voulais prendre mon nom en cadeau comme ça. Dis m'inscris, tu as pris mon nom, mais 250 euros. Vous n'êtes pas disposé. Écoutez, monsieur. Oui, monsieur. Vous n'êtes pas disposé à le faire. Ne le faites pas. Je ne suis pas en train